Salut à tous, c'est Néouda de The Voice. Voilà, je fais une petite interview pour MCE, donc voilà. The Voice, c'était une superbe aventure, émotionnelle, tout ça. Il y a les rencontres, forcément, entre nous, entre musiciens, entre passionnés, ça c'est superbe. Et ce qui est très important, c'est ce qu'on apprend. Parce que au-delà des coachs, artistes, Zazie, Florent Pagny, pour le côté beau, ils nous apportent beaucoup, sans mentir, Zazie m'a beaucoup apporté. Et derrière, on a des coachs aussi, des vrais coachs professionnels qui nous donnent beaucoup de conseils, qui nous apprennent des choses qu'on ne savait pas forcément. Donc voilà, on ressort, on part de The Voice avec beaucoup, beaucoup de plus. Et en plus de ça, ça nous ouvre des portes. On peut faire des petites soirées, des concerts, se faire rémunérer. Donc c'est que du positif. En tout cas, pour moi, ça a été une super belle aventure. Alors, je ne pense pas que tout le monde garde des relations avec leur coach. Zazie me suit sur Twitter. Après, je pense qu'on ne va pas non plus demander à ce qu'elle soit copine avec nous, qu'elle nous parle tous les jours. Maintenant, je sais qu'elle sait qui je suis. Je pense que c'est le genre de personne que, oui, bien sûr, que si un jour elle est amenée à pouvoir me donner un coup de pouce, je pense qu'elle le ferait de bon cœur. Parce qu'elle a été, elle a été très attachée et très vraie depuis le début avec ses talents. Moi, j'ai beaucoup travaillé après The Voice. J'ai enregistré beaucoup de morceaux, de sons. Et il y a peut-être une maison de disques qui a apprécié et voilà, donc j'attends de voir, mais pour l'instant ça va. Voilà, je prépare mes projets et voilà.